Salut à tous, c'est Ben. Donc aujourd'hui, dernier jour à Singapour. On va aller faire Marina Bay 2 jours. On va aller faire le parc qu'il y a juste derrière. Et après, on va essayer d'aller à Orchard Road. On a l'avion à 8h. Donc faudra décoller vers 6h, 6h30, je pense. Donc là, ben voilà. Dernier jour à Singapour, on va profiter. C'était le Mer Lion. Ils l'ont réouvert juste hier soir. Il était en travaux quand on est arrivé. Il n'y avait que la miniature, la petite statue. Donc là, on a eu de la chance. Bon, le seul inconvénient, c'est que c'est dimanche et c'est blindé. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais. Ah, un mariage. Donc la direction Marina Bay Sands, on va essayer d'aller voir le parc derrière. Il est immense, ça a l'air d'être magnifique. Donc là on a encore un peu de marche. Il est énorme, c'est magnifique. Donc pour l'instant l'accès est gratuit et je pense que c'est payant pour le Cloud Forest, le Flower Dome et le Super Tree. Il y a pas mal de zones ombragées où les gens se reposent. Franchement, c'est magnifique. Paisible, c'est tout ce que c'est tout Singapour en fait qui génère ça là. C'est toutes les rues sont paisibles, le parc est paisible, tout est magnifique. Donc pour l'instant pas d'entrée payante, juste
pour marcher autour des super tri, là, le Skywalk, Dragon Skywalk, c'est 8$ par personne. Donc c'est un peu ma stock. Et là on arrive au Dôme. Donc on va aller voir le prix. Donc là je vais faire la queue pour les tickets. C'est 10$ par Dôme. Donc il y a le Dôme des fleurs et le Dôme de la forêt tropicale. Donc et 8$ pour le Skywalk, ça fait, si vous prenez le ticket avec tout, c'est 28$ Singapour. Et sinon c'est 10$ par Dôme, ou alors 20$ pour les deux Dômes. Donc voilà, comme je vous ai dit avant, il faut enlever un tiers à peu près. Donc pour les deux Dômes, ça fait 13€ à peu près pour les deux Dômes. Thank you. Thank you. C'est hallucinant, il fait moins 15 dans le Dôme. Tout ça, c'est entièrement climatisé. C'est un truc de fou. Waouh. Il fait froid. Il fait super froid. C'est un truc de malade. Ça avait rien à voir avec les prix qui étaient affichés, puisque là c'était 16$ pour rentrer ici. Donc si vous prenez un seul ticket, c'est 16$. Si vous prenez les deux tickets, c'est 20$. Mais je pense que c'est en fait, les prix affichés sont hors taxes. C'est pour ça la différence. Donc là vient de passer le coin méditerranéen. Avec figuier, olivier, thym, romarin, herbe de Provence, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est bon, les odeurs, ça rappelle le pays. Bon voilà, visite du parc terminée, c'était joli, c'était beau à voir, surtout c'est tout dans des dimensions de ouf. C'est, quand on dit que c'est le Dubaï de l'Asie, ça porte bien son nom. On va trouver une station de MRT et on va essayer d'aller à Orchard Road. Et il faut pas trop tarder parce que direction l'aéroport vers 18h. Voilà, un petit coup de métro, on est arrivé à Orchard Road. Alors, apparemment, c'est vraiment le lieu incontournable. Tous les touristes viennent ici. Tous les gens de Singapour, ils viennent aussi là. Et surtout pour faire du shopping, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
fait la queue pour acheter les tickets pour rentrer à l'aéroport. C'est 6 heures passées, donc on retourne à l'aéroport pour le vol de 8 heures. Et après, 3 heures et demie plus tard, on sera à Bangkok.